N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Bonjour. Les gens sont constamment insatisfaits de leur apparence. Certains veulent faire une réduction du nez, tandis que d'autres veulent gonfler leurs lèvres. Mais certaines personnes sont nées avec de si grandes parties du corps qu'elles ont été inscrites dans le livre Guinness des records et sont devenues mondialement connues. Préparez-vous, car aujourd'hui, on va découvrir des images totalement dingues. C'est parti pour les 14 personnes avec les parties du corps les plus grandes et les plus longues de la planète. Numéro 1. Cette femme a un menton si grand qu'il occupe la moitié de son visage. Elle souffre en réalité d'une maladie rare connue sous le nom de chérubisme, ce qui a conduit à la formation d'un kyste dans sa mâchoire inférieure. Il n'y a que 250 personnes atteintes de cette maladie dans le monde. Victoria a appris à vivre avec ce visage, alors que dans son enfance, elle faisait l'objet de moqueries, qui la comparait à Buzz l'éclair. Elle écrit maintenant un livre et possède un blog visant à soutenir les autres personnes ayant cette caractéristique inhabituelle. Numéro 2. Une personne sur 1000 dans le monde est née avec 6 orteils ou 6 doigts. Mais en 2016, à Hong Kong, est né un enfant avec 8 orteils sur chaque pied et 15 doigts sur les mains, malgré le fait que ses mains manquent de pouces. Ce bébé chinois est né avec une anomalie congénitale qu'il a héritée de sa mère qui possède 6 doigts sur chaque main. Numéro 3. Qu'est-ce que Wolverine aurait le plus besoin? Eh bien, d'une belle manucure. Mais il est quand même bien loin de Sridhar Shilal, qui a les plus longs ongles du monde. Depuis 66 ans, Sridhar laisse pousser ses ongles de sa main gauche, sans jamais les tailler. À ce jour, l'ongle le plus long de son pouce a finalement atteint une longueur de 198 cm. C'est plus que la longueur d'un homme adulte moyen. La hauteur totale de ses ongles est de 909 cm. Pour protéger ses ongles de la cassure, il les enveloppait dans du tissu et fait tout avec sa main droite. Malgré ça, cet homme a travaillé avec succès en tant que photographe de presse gouvernementale. Ce n'est qu'en 2018 que l'homme de 80 ans a coupé ses ongles et les a vendus à un musée. Que pensez-vous d'une telle entreprise? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 4. Ce n'est pas la sœur jumelle de Nicki Minaj. Les hanches de cette femme ont une circonférence de 152 cm, soit 38 cm de plus que les hanches de Nicki Minaj, et seulement 7 cm de moins que la taille de Kim Kardashian. La taille d'Eudoxie ne fait que la moitié de la largeur de ses hanches, et donc la silhouette de cette femme ressemble à un sablier. Elle dit qu'elle est naturellement dotée d'un tel corps, et que ce n'est pas le résultat de chirurgie esthétique. Elle est appelée la Kim Kardashian africaine, et est devenue une star dans son pays natal. Elle est également célèbre pour son mariage avec le plus petit rappeur du monde, Grampy. Numéro 5. Cette fille est sans doute Aeon Flux dans la vraie vie. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a les orteils les plus longs du monde et que ses pieds ressemblent à des mains. Le second orteil de cette femme mesure 5,5 cm de long, soit la taille du petit doigt de la main d'une femme. Pas étonnant qu'elle puisse serrer ses orteils ensemble, comme si elle priait. Numéro 6. Il est particulièrement important de savoir s'arrêter à temps, mais Roberto Cabrera ne l'a pas fait. Cet homme est tellement pris dans les opérations d'agrandissement génital que son engin a atteint une longueur de 48 cm. C'est la moitié de la longueur d'une batte de baseball. À 58 ans, l'organe génital de Roberto n'est pas seulement long, mais il pèse également 1,2 kg. Il est même difficile pour l'homme de marcher correctement, sans même parler de trouver un emploi. Il n'est pas disposé à subir une opération de réduction de taille, car il espère entrer dans le livre Guinness. Bon, chacun ses objectifs. Numéro 7. Rappelez-vous comment l'une des sœurs Kardashian a agrandi ses lèvres et a lancé le défi à Kylie Jenner? Eh bien, cette jeune femme est allée encore plus loin. Elle a décidé de créer les plus grandes lèvres du monde pour de vrai. Andrea Ivanova, 23 ans, a subi des injections d'agrandissement des lèvres et cela plus de 20 fois. Ça lui a coûté plus de 3000 euros par injection. Elle veut agrandir encore plus ses lèvres pour ressembler davantage à son idole Barbie. Mais les cosmétologues refusent maintenant d'effectuer une telle procédure, car les lèvres de la jeune fille ont déjà augmenté à une taille critique. Et ça en seulement 2 ans. En voyant ça, on se demande si elle a déjà vu à quoi elle ressemblait, Barbie. Numéro 8. Et si Venom existait dans la vraie vie? Il pourrait ressembler à Radmila Yusupova. Il s'agit d'une femme qui a la langue la plus longue du monde. La longueur de sa langue à partir de ses dents jusqu'à la pointe est de 11,8 cm et 14 cm à partir de la racine. Et oui, elle peut manger du yaourt sans cuillère. Regardez comment elle dénoue un nœud avec l'aide de sa bouche et ici, elle nous montre comment manger de la glace rapidement avec une telle langue. Grâce à sa longue langue,
elle est devenue une personnalité publique sur Internet avec des millions de vues sur TikTok. Numéro 9. Si vous pensez que bébé Yoda a de grands yeux, alors vous n'avez probablement pas encore vu ceux de Maria. Les deux yeux de cette femme sont considérés comme les plus grands du monde, ses yeux pouvant sembler étranges à tel point que certains se demandent si ce n'est pas le produit d'un filtre Instagram, ou si c'est elle-même qui les a agrandis à l'aide d'un logiciel de retouche photo. Mais cette vidéo prouve que ce sont ses vrais yeux. Voici même des photos d'elle à l'enfance. Vous pouvez juger par vous-même les dimensions réelles de sa tête, en la comparant avec ses épaules. Numéro 10. Vous vous souvenez certainement de cette scène des Avengers, où seul le digne Thor pouvait soulever le marteau. Eh bien, si on laissait Jeff Dabe essayer avec ses bras énormes. Il a 56 ans et ses bras font 49 cm environ, ce qui est plus grand que celui d'un homme moyen. Regardez les doigts de Jeff. Ils sont si gros que le jour de son mariage, il avait besoin d'une bague de 11,27 cm de circonférence. Il avait de gros bras depuis la naissance. Alors il a naturellement commencé la lutte gréco-romaine de bras de fer, dès son plus jeune âge. Maintenant, il passe tout son temps libre à travailler dans sa ferme avec sa femme. C'est un vrai Popeye. Je me demande même s'il se nourrit uniquement d'épinards. Numéro 11. Dans le film I Feel Pretty, le personnage principal souffre d'une blessure à la tête. Par la suite, elle perd sa timidité et devient sûre d'elle. Mais ce modeste professeur de piano Allegra Cole a décidé de changer d'apparence pour de vrai. Elle a subi 3 opérations d'agrandissement mammaire pour un montant total de plus de 60 000 euros. Maintenant, son buste mesure environ 130 cm et pèse 18 kg. Grâce à sa large poitrine, elle a commencé par travailler comme mannequin et gagne 80 000 euros par an. De plus, elle est devenue populaire dans la rue et la vidéo où elle fait du piano a été regardée par de nombreux internautes. Numéro 12. Cet homme détient le titre de l'homme aux cheveux les plus hauts. Sa coiffure atteint une hauteur de 52 cm. Son look a aussi été adopté par sa fille, qui a elle aussi des cheveux très longs. Ensemble, ils font des séances photos et les publient sur Instagram. Ils ont attiré près d'un demi-million d'abonnés. Benny sait bien qu'il ressemble à Gerald Arnold et aime même se moquer de lui-même. Numéro 13. Pour devenir une beauté aux longues jambes, certaines filles utilisent des échasses. Pour Ekaterina, ses propres jambes suffisent car ce sont les plus longues du monde. Elles ont une longueur de 133 cm, un record du monde. Regardez ses bottes qui atteignent la taille de cet homme. Tous les hommes à côté de cette fille semblent tout petits. L'une des copines a 16 cm de plus que ses jambes. Elle peut donc passer facilement entre ses jambes. Ses pieds font 31 cm de long. C'est pourquoi elle doit porter des chaussures de taille 48. Elle est également entrée dans le livre Guinness des records du monde en tant que le plus grand modèle au monde. En effet, sa taille est de 206 cm. Ce qui fait quand même 2 cm de plus que le plus grand modèle masculin. Numéro 14. Petite exception pour ce cas-ci, car il n'a pas de longs bras, ou de longues langues. En fait, il s'agit de jumelles siamoises Lupita et Carmen Andrade, de 12 ans. Les sœurs ne partagent qu'une paire de jambes, mais l'une est contrôlée par Lupita et l'autre par Carmen. Pour marcher, chacune bouge sa jambe à son tour. Pour conduire une voiture, l'une des sœurs presse l'accélérateur et l'autre le frein. Sinon, Lupita et Carmen vivent une vie de filles ordinaires. Elles aident leurs parents à s'instruire et parlent même de rencontres. Elles maintiennent également une présence sur Internet et communiquent avec des abonnés sur Instagram. Et elles ont bien une page chacune. On leur souhaite un bel avenir. Et c'est la fin de cette vidéo. On a vu pas mal de choses, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires lequel de ces personnages vous a le plus surpris. La femme à longue langue, celle aux longues jambes, ou encore l'homme aux plus longs ongles? J'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.